Il représente 45% des licenciés français, les seniors, une catégorie de joueurs qui, plus encore qu'une autre, doit avant tout rigoureusement s'échauffer. On va commencer un échauffement qui va permettre et qui va vous permettre d'optimiser vos chances de mieux jouer au golf et surtout de prévenir les blessures. Un bon échauffement commence sans les clubs, le haut du corps d'abord, le bas ensuite. Vous pouvez en faire une dizaine, comme ceci. Une minute, c'est une bonne durée pour ce type d'exercice. Ça permet réellement de prévenir de tout ce qui est blessure. Hein. On commence à se rapprocher un petit peu d'un mouvement un petit peu golf. Ça permet de travailler un petit peu l'équilibre également. Très lentement ça, Daniel, d'accord? Toujours très lentement. Et là, vous voyez, exercice extrêmement simple. Hein. Et là, ça fait du bien, là. Le travail spécifique sur la balle maintenant, 10 balles, pas plus, 5 clubs, du plus ouvert jusqu'au driver. Ce qu'il est intéressant de faire et ce que font tous les joueurs professionnels avant de débuter leur partie, c'est de finir votre échauffement avec le club que vous allez utiliser au départ du trou numéro 1. L'échauffement se termine, il aura duré en tout moins d'une trentaine de minutes, un échauffement préventif dont les bienfaits se feront sentir plus tard. Bien souvent, les seniors ont, après une partie de golf ou une séance de practice, un certain nombre de douleurs qui peuvent se réveiller. Un échauffement bien mené peut minimiser l'incidence de ces douleurs, en particulier au niveau du dos, au niveau des épaules. Donc on insistera bien sûr un peu plus à l'échauffement de la région lombaire, la région du bas du dos, et à l'échauffement au niveau des épaules. Dans la mesure où on va effectuer cet échauffement correctement, durant une dizaine de minutes, guère plus ne sont nécessaires, on va beaucoup diminuer le risque de ces douleurs et donc des blessures afférentes à la pratique du golf.